Et c'est parti, on va partir en découverte de Plants vs Zombies Battle for Neighborville by Captain Shadow, bien évidemment. Alors, c'est parti, on y va. Moi, je me rappelle que j'ai fait le précédent qui est sorti juste avant, qui était pareil niveau type de gameplay. Par contre, c'est vrai que le nouveau, esthétiquement, il est beaucoup plus lifté et paraît beaucoup plus sympa. Je vais peut-être me le prendre Dragon Ball Z Kakarot. Moi je le prends déjà dessus. Ok. Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot. Tu joues à Sea of Thieves ou pas mercenaire? Et oula, c'est quoi ça? Jouer, oui. Cadeau, ampoule cadeau. Ampoule gagnée, 30 ampoules gagnées. Oh putain, il y a mon cœur. Attention, j'accélère. Il est trop mignon. Oula. Et tu tires avec des petits pois. Super, une nouvelle recrue. Waouh, c'est vous la nouvelle recrue. Bienvenue dans ma... Pas de chance, on va tout me dire. J'ai une mission importante pour vous au centre-ville, mais pour commencer, il y a une énorme chose à faire au manoir de Dave. Je vous préviens, certains endroits sont très 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 importants. Pensez-y, pensez à y jeter un oeil. Pour t'aimer, tu vas rejoindre une partie en ligne, ok? Parklin note s'entraîner au combat, ok. Changer de personnage, choisir un zombie, ok. Aller au centre-ville avec Penny ou aller au Mont Pentou. Et bon, aller au centre-ville avec Dave. Oh putain. Oh, un tournesol. C'est là toi, Tiffany. Are you noob? Yes, it's the first minute and first second of play Plants vs Zombies Neighbor. I play next Plants vs Zombies and no, pas celui-là quoi. Ah, faut qu'on se fasse des petites games dessus, parce que là j'ai vu avec Netboard, pas Netboard, putain, avec la DLC, la Seabound, je sais plus quoi là, c'est vachement sympa quoi. J'ai récupéré sur mon Twitch Prime des un singe. Ouais, attends, c'est quoi ces trucs? Pistopois, ça peut changer. Les mordeurs avec la bave violette, c'est marrant. T'as qu'à si tu vois les persos, mon cœur. T'as les mordeurs, donc le pistolet pois, petit maïs, ouais. Le bonnet de nuit, le ninja. C'est le zombie ninja. Gueule de dragon. Il fait peur. Il est malade, donc il faut qu'on le Kratos. Il était pas dans l'autre. Je sais pas ce qu'il écrit. Bah, si, il était dans l'autre. Le gland. Le tournesol et ma préférée, la route. Oh, elle était aussi elle. Ouais. J'aime bien celui-là parce que voilà. Un, elle tire super rapidement. Oh! Tahiti Bob! C'est Viviane! C'est dans ton centre-ville, allez go! Avant tout, bonjour, je m'appelle Viviane. Oh putain, Vivi. Non. On a retrouvé la belle-mère. Non. Avant tout, je m'appelle Viviane. C'est trop embarrassant. Pour finir, à l'aide. Le centre de Neighborville est attaqué. Les zombies utilisent un drôle d'appareil pour obliger les plantes à danser sans s'arrêter. Si toutes les plantes sont prises au piège, les humains seront sans défense. J'ai dansé si longtemps que maintenant je ressemble à ça. Je me réveille même en dansant, c'est dire. Si vous voulez m'aider, prenez ce camping-car nommé Penny.
pour aller au centre-ville. Le colonel Mabel vous expliquera comment ça se passe. Ah, Trace et Paillette. Ouais, parce que bah moi je suis déjà pirate légendaire dessus, mais j'ai vu qu'ils avaient rajouté pas mal de trucs sympathiques comme des cocktails Molotov, comme quoi il peut avoir le feu carrément sur le bateau et tout. Donc honnêtement, j'ai envie de tester ça pour voir. Un de ces quatre, faudra qu'on teste. Je te dirai mon petit vieux mercenaire, je te dirai. C'est sous tech. La colline du soleil, centre-ville. Ouais, j'ai vu le fort un peu cheaté, c'est le fort avec le coffre cendré, les trucs comme ça là. Le rythme du boogie. Entrer dans la Thunderdrome et éliminer Old Cool. J'adore leur sourire. Le fort des damnés, ouais. J'ai vu, ça a l'air cool à voir. Par contre, c'est le genre de truc hyper spammé, quoi. Par contre, j'ai vu qu'ils ont rajouté des serveurs dédiés, non? Donc l'avantage c'est que peut-être sur les serveurs officiels on aura peut-être moins de monde. Ah, la map est sympa. Le coin de la plage. C'est beaucoup plus coloré dans le style en tout cas que le premier. Et ça c'est sympa je trouve. Ah, je peux planer. Ça c'est cool. Et on va dans la boîte de nuit, voir un peu ce qui se passe. Tu es du bol avec le débile et ses camionnettes? Ah ouais, le mec, putain, monstrueux quoi. J'ai dû me garer pour dire sur un autre parking des HM pour toute l'après-midi parce que le mec avait bloqué l'accès au parking. C'est genre que le mec, en fait, a rien à voir. Le mec, il avait pas de travaux, rien du tout vers chez moi, donc... Le mec, ça doit être une famille lambda qui est venue visiter leur famille. Et voilà quoi, niveau con, ils sont allés à l'industriel quoi. Même pire que ça, là. Voilà. On est à la base, je vais réfléchir à un nouveau plan. Ok. Je suis une petite rose. Je suis inoffensif. Lol. En tout cas, j'aime bien le côté esthétique du jeu, quoi.
escorter la tondeuse. Viens. Sérieux? Non mais sérieux quoi. J'ai déjà eu un coup similaire dans ma résidence. Je regarde après la zone d'escorte. Il est sur YouTube. Il alterne un petit peu, t'entends, il va sur YouTube, t'entends sur Twitch. Ce tech. Qui visite tous les pâtés maison. Je sais pas ce que ça sert ce truc. Ouais. Ah, c'est transformant en chèvre. On a retrouvé la team de Jax. On envahit une Monique. On envahit une Monique. Ah, c'est pas sur YouTube quand Twitch lui laisse pas le choix de la qualité du live. Pour éviter qu'il ait des lives qui lag. La rose t'intéresse être en coop quoi. En fait dans le premier épisode la rose était overcheatée. Quête terminée. Hey cowboy. Hey.
Les tacos, ça ne brille pas, non? Jean-Laurent, merci beaucoup pour ton follow sur YouTube, à mon avis. Sur YouTube. Confirmation. Confirmation de mon téléphone. La future zone. Non, ce qu'il y a écrit sur le camion. Ah, c'est que tu te promènes quand même. Ah, mais c'est un monde ouvert. Ah, fais la gueule, lui. Oula, j'espère qu'il est pas pressé, hein. Vraiment l'accompagner. J'ai l'impression qu'il nous attend le mec. Regarde, le mec qui nous attend. Le pauvre géant là. J'ai le bruit en direct, t'es en train de remplir une bouteille d'eau. Le jeu se signale qu'avec des escortes. Tu meurs. Salut Esteban, merci pour ton host. Yes. Gargantua, il est mort. Quand j'ai mon petit Esteban. Ça, comme tu vois, on est en train de tester un nouveau jeu. Ça change un peu de nos habitudes, comme ça.
Oh, tu dépêches la provenance, je t'attends. Ok, c'était un défi interne du jeu, il fallait l'accompagner. Okay. Oh putain, le gland comme il se déplace. Là, ses petites pattes et en accélérant. Carrément. Ah, c'est mitrailleuse. Faites pas chier le gland. Transformation. Je me suis transformé devant eux, donc j'ai pris pas mal dans la gueule. Je vois l'enflamme. Ah, l'enflamme est pas mal, parce qu'en plus ça passe à travers les défenses adversaires.
Là t'es une croque. Ah non, la gueule de dragon est sympa. Avec ses petits enflammés, il est sympa. Arrête, ça fait mal. Vous avez été à niveau 4. Tacos. Tacos, 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 tacos. Qu'est-ce qui arrive, Esteban? La fragilité vous emporte? Ah merde! Je sais pas si je vais le garder ou pas. Bah en fait j'avais un chien de cristal sur moi. Et je l'ai posé par terre parce que bon tu sais je pouvais pas me battre. C'est que le chien de cristal a volé en éclats. Ah merde. Donc à mon avis il fallait que je l'amène quelque part quoi. Ça voit que c'est un mob fait pour le DPS quoi. Comme tu les chopes en 30 secondes. Il est en promo pour ceux qui le cherchaient sur le store. Avec le Black... Le Black Friday, bah merci mon cœur. Le Black Friday, il est en promo.
tellement de trucs à trouver. J'ai demandé à des potes qui peut jouer avec moi, ils ont dit je peux pas, je m'ennuie, j'ai pas d'idée. Ah bah ça malheureusement je peux pas t'aider plus que ça mon pauvre Sébastien. Accepte plante versus zombie. Dès que tu fais des dégâts, il vient mortel pendant quelques secondes. J'espère qu'il a pas repris tous ses points de vie, ce serait bien. C'est bon. Mais là, je suis un petit peu concentré quand même. Oh! Putain! Bientôt les nouveaux défis Fortnite. Ouais, bah c'est dans 2 jours. Jeudi ou vendredi, vendredi, je crois. Le 28 par contre les gars, il n'y aura pas de live, je prie en avance. Pourquoi? Parce que c'est tout. Je noterai de toute façon sur le Discord. Le 28, il n'y aura pas de live. Non mais c'est rien. Il y a le téléphone qui sonne. Répondre au téléphone qui sonne. J'ai cru que c'était vraiment qu'il y avait un téléphone qui sonnait.
Hôtel des nains. Ah, regarde le... Ça, quand tu mets un point que tu vas aller voir, tu sais, au lieu de mettre un truc sur la carte, ils mettent une boussole. Perso, tiens, on va prendre le kung-fu, on va voir. Ah oui, mais regarde, il se passe vraiment comme un ninja en plus. C'est Naruto Run. T'as tous les persos que tu veux, quand tu veux. En fait, dès que tu meurs, tu peux changer de personnage. À part un multijoueur, mais tu vois, tu sélectionnes le personnage pour affronter les autres. Mais voilà quoi. Ah, ninja est mort. Naruto Run. J'ai vu, t'inquiète pas, j'ai déjà vu. Level 93. Ah, Scarlett monte. Et pas une blague, elle monte. Y'avait pas d'arrière-pensée non plus. J'ai rien dit. Je suis Papa Maïs et j'ai un truc à te dire, c'est cool, ça me connaît. Ok, d'accord, l'autre il a le. Putain. Il a une banane autour du cou. Et une grosse montre. Trouvez le baron von Batz dans les égouts. Ninja, je suis invisible. Tu ne me vois pas. Oula. Oula, oui. Ah oh, Dracula. Ok. Malédiction des chauves-souris. Et c'était le champignon ninja. Ouais.
Ils m'ont niqué. Ils m'ont niqué. Nouvelle tentative de quête dans 6 secondes. Je suis mort en même temps que l'autre. Putain. On tente une dernière fois, les gars. Elle évite au cinéma sans chaussures. Bon, et ben nous les gars, on va faire une petite pause sur le jeu. Non. En plus, tu te plains. Alors, il y a Papy Jean-Luc qui joue. Je sais pas. Je vais voir qu'il y a Papy Jean-Luc. Ah, mais je sais pas s'il est connecté sur le jeu. C'est-à-dire qu'il a joué au jeu. Ouais, deux en tout cas de mes amis qui a joué au jeu. C'est-à-dire que ça peut être possible, ça peut être possible d'avoir des. Il faut t'écrire pendant que je suis en train de regarder un truc. Sérieusement. Les gars, on va faire une petite pause sur ce jeu. Et je pense qu'on va partir aussi sur Death Stranding parce qu'il faut peut-être qu'on l'avance aussi. Colissimo Forever, hein, évidemment. Donc je vous dis. C'est pas une sorte de.